Est-ce que un chrétien capable d'aller dans le disco? Eh bien, c'est de ça nous parlons parler là. Ma fait connaître que Rubik ça relé question tabou. Question tabou, c'est des questions ou du moins des sujets que nous pas vraiment parler, des questions que nous pas vraiment poser dans la société, hein? Dans l'église. Et, mais qui gagne pile importance li, des bagages que nous ta doué connaître. Mais pour une raison ou bien une autre, yo pas parler genre de bagages ça yo dans l'église, dans la société. Et bien, m'potel pour aujourd'hui, lire les questions tabou. Ma foi qu'on est que rubrique ça nous partager ensemble avec vous au moins une fois par semaine. Et tout autant nous gagne temps, nous fait ça une fois par semaine. Est-ce que chrétien capable aller dans disco, dans club? Les Jésus t'est venu sur la terre. Est-ce que gagne côté que il pas allé? Nous gagne accès avec toute bagaille. Oui, mais toute bagaille pas bon pour nous. C'est ça que fait le dit dans 1 Corinthiens 6 verset 12. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Il continue pour dire dans Hébreux 5 verset 14. Notre propos n'est pas de vous dicter une conduite, mais de vous aider à prendre des décisions adultes. Disco, qui ça ça y est? Ma peur qu'on ait que gagner différents types de disco. Gagner disco qui un petit peu calme, gagner qui très chauffé. Gagner disco côté que l'on a la donne, ou à danser, musique, ou à boire, ou à enjoy avec amis. Et gagner disco tout côté que son volume est tellement fort. Même les amours qui coûtent la parole ensemble avec vous, vous êtes obligé de faire signe pour les amours qui comprennent. Il y a tout, vous connaissez un disco côté que vous avez fait tous les bagages dans le disco. Non seulement vous avez dansé, vous avez boué, et puis vous avez possibilité de passer un moment ensemble avec les gens qui travaillent. Et ça qu'on y fait côté que ou aller la caillou tout sous sans l'argent parce qu'on dépenser tout petit quoi pour te gagner ou aller tout quoi coller la caillou. Bref, qu'on y a bon pose quelques questions. Nan ki but ou aller dans lieu ça dans disco là, nan ki but? Dans quel but? Est-ce que c'est pour détendre nous et puis ou pour sentir bien? Est-ce que c'est pour développer de bonnes relations? Est-ce que les rois dans le discours ça gagne possibilité pour tenter? Pour tenter soit une fille que ouais et ou tenter ou du moins ou tellement bré alcool ou même arriver dans un moment côté que ou aller faire bagaille ensemble avec monde ça qui t'a servi ou là etc. Est-ce que comme ça gagne ou pas ta ka dépenser nan yon lot bagay? Est-ce que côté mien a li permet que mwen représente valeur royaume bon Dieu? Est-ce que m'ap mene deux vies? Yon vie côté que le week-end mwen ap enjoy mwen, mwen nan diskou mwen bien pran plezim et puis nan dimanche matin pour moun ki a l'église dimanche yo, nan dimanche matin moins aller l'église. Serais-je une occasion de chute pour une personne plus faible dans la foi, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 8 verset 9. Toutefois, faites très attention avec liberté ça que vous gagnez hein, pour pas faire tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Après tout ça que je dis là, vous trouvez que vous pas joindre une réponse qui claire avec sujet ça qui c'est est-ce que un chrétien capable aller dans disco? Eh bien, si toutefois qu'on pas une réponse claire dans tout ça que monsieur dit là, vaut mieux on parle dans disco, attendez.